Avec Bérénice, nous allons rendre visite à Jean-Luc Parent. Il habite à une centaine de kilomètres de chez mes parents. En 2003, je l'ai reçu en résidence à Grandlieu. Et depuis, nous nous croisons de temps en temps. C'est avec lui que j'ai commencé à faire des boules. Il m'arrive même de lui en vendre, mais pas cette fois-ci. Là, je suis avec Arnaud, on vient le voir avec Albertine. Hein? Oh, ma mère, alors tu viens quand? Un quart d'heure? Hein? J'en ai 64 séries de 64. Ça m'intéresse, c'est quoi? 64 séries 64. Ah, tu me vends. Attends, c'est en boîte? Et là, c'est cuit, ça? Ah oui, là, c'est cuit, là. J'en mets. J'en ai 36. Et les 64 par 64, elles sont grosses comment comme ben ça? Comme ça, ouais. Ah, ça fait combien ça? Attends. Je te dis, ça fait 4096. Ouais. Il a fait depuis longtemps. Hein. Ah ouais, ouais. Voilà, je fais un journal filmé, donc vous m'autorisez à. Ah ouais, allez, vas-y, vas-y, voilà, les photos, voilà. On aime bien. Hein. Voilà, c'est un film. Ah ouais. On est célèbre. J'adore. Tu y veux? Comme, je sais pas. Ah oui, oui. Oh, c'est pour vous faire des cadeaux. Moi, oh, j'aime bien ça, c'est vachement bien. Ah ouais, ça c'est bien, ça. Super. Regarde. Merci. J'adore. Ah bon, j'habite à moi, j'aime bien. J'ai déjà fait une lecture avant. Deux fois, peut-être, deux fois. J'ai fait deux fois des lectures. Ah, ça. Si, ça peut t'intéresser, ça. Voilà. Ah, enfin, c'est un peu, c'est un côté un peu, tu vois. On trouve ça en Colombie, dans les pays latins, tu vois. Ok. Et donc, moi j'aime bien, j'adore l'odeur depuis toujours. Moi j'ai commencé à faire mes boules parce que j'habitais à Bubarnier à côté de, tu sais, l'usine Ducros, tu sais, qui fait toutes les épices, le poivre, tout ça. Okay. Et donc j'avais récupéré tout ça qui me les gardait. Ah, et donc toutes mes boules, les premières boules anciennes, elles sont faites, la structure, elle est faite avec ça. Ah ouais. C'est marrant, comme hein. Quoi. Et donc j'ai toujours aimé. Et le type que j'ai trouvé en France, parce que c'est de plus en plus rare ces sacs, maintenant c'est en plastique, c'est blanc, c'est des sacs de café, et, je découpe ça et je l'encolle sur panneau de toit, sur contreplaqué, avec un châssis, et après je travaille au Posca. Puis je fais des animaux et avec des phrases à moi écrites. Ils me les gardent et je l'achète très peu cher, quoi. Ouais. Mais bon, ça va disparaître, hein. C'est pour ça que j'en ai 2000, je crois, ou 3000. Ah ouais. Oh, un peu de marge. Ouais. Oui, bah, au cas où tu vas. Maintenant, ils ne trouveront plus après. D'ailleurs, sur ces sacs, maintenant, Yves Grenier, ça te vend entre 10 et 30 euros. Ah, ah ouais. Pièce, te jure, hein. Ah, c'est... Je vais t'en donner un ou deux, si tu veux, tu veux. Bah ouais, je veux bien. Pour travailler. Hein. Bah ouais. Par exemple, j'ai travaillé sur le lac de Grandlieu et j'ai, j'ai reconstruit la carte. Et j'ai, donc, il y avait donc, trois terres différentes, donc le lac, donc l'eau, le marais et la terre. Ouais. Et c'était trois formes, trois dimensions gris. Et puis après, j'écrivais le lac de Grandlieu à l'intérieur. Ah, ouais, d'accord. Donc ça recrée... Moi, j'ai travaillé sur le lac de Grandlieu. Oui, bah oui, avec... Là, je me suis... Bah oui, du coup. Bah, et toi? C'est tout un. C'est pas mal ton papier, là. Il est. Il est pas. Enfin, c'est pas une feuille. C'est plusieurs feuilles. Oui, ouais. C'est des 20 sur 20. On est carrés de 20 sur 20. Ah, c'est pas mal, ça. Et les gris, c'était des carrés de. Du coup, de 2 cm. Et il y avait une autre forme, donc 1 cm. 5 cm. Mais après, je fais pas des boules. C'est vrai que j'ai pas repris le truc. Non, je fais pas des boules. Oui, oui, non, mais. J'écris sur plus. Que... Oui, mais oui. Non, mais c'est vrai. Sur le... En plus, l'aspect écriture m'intéresse pas mal. Et... Non, moi, je suis connu surtout pour écrire des textes avec simplement 500 mots, toujours les mêmes. Ah ouais.
Et jamais les mêmes phrases, jamais les mêmes. Et sur les yeux. Ah, ben ouais. Oui, ça jamais. Donc je continue. D'ailleurs, je trouve que j'écris le mieux en mieux. Ben, je vais te donner un livre là. Attends, qu'est-ce qui est paru là. Attends, je vais voir. Je sais plus, Christian est paru, c'est sur le cul, mais. Dans un bureau, peut-être, j'ai trouvé un truc. Là. Ok, bon, merci. Il est simple, prends-en, là, deux ou trois. Oui, après. Regarde, ça t'en fait un. Puis après, si t'en veux d'autres, tu me diras. Ben ouais. Ouais, merci. Je vois, rien, il bouge. Enfin, tu vas pas te servir, peut-être. Ben, à voir. Hein? Si, à voir, je sais pas trop. Et ça c'est de la. Je sais pas, ça c'est de la jute, je crois. Ouais. C'est comment on appelle ça Du chanvre. Voilà. Ah ouais, c'est ça ouais. Non, le chanvre, c'est ça. Ah oui, d'accord. Okay. Ah non, oui, tu as raison. C'est du sisal, ça. Ah, je crois que c'est du sisal, ça. C'est plus. Oui, c'est. Ouais, tu vois. Tu veux un comme ça aussi. Ouais, je veux bien. Voilà, je sais pas, hein. Ça sent bon, putain, comme ça. C'est des chats, donc ça. C'est pour ça que je ferme.